Le monstre est vraiment consubstantif avec l'humanité. En fait, dès qu'il y a l'humain, c'est-à-dire une tentative de rationalisation, de contrôle, de compréhension et de refoulement de tout ce qui est instinctuel et animal en nous, surgit le monstre. C'est ce que dit très bien le mythe de la Genèse, avec l'idée que quand il y a l'arbre de la connaissance, si vous mangez à l'arbre de la connaissance, il y aura le serpent. Et en fait, toutes les sociétés, toutes les civilisations, toutes les cultures humaines, avec leurs magnifiques créations, ont toujours eu à côté des formes de monstruosité, des choses grimaçantes, des chimères, des choses qui font peur. On a besoin de représenter ces peurs et d'être en dialogue avec elles plutôt que de les rejeter radicalement. Les gens que communément nous traitons de monstres, comme les grands dictateurs, Pol Pot ou Hitler ou Amin Dada ou autres, en fait ce sont des gens qui ont refoulé le plus violemment leurs monstres et se sont prétendus simples organisateurs rationnels. Ça, c'est les plus dangereux des êtres humains. Par contre, les artistes, nous avons besoin des artistes parce que eux, au contraire, restent en dialogue avec leurs monstres à tout moment. Ils sont dans ce rapport de sympathie-empathie avec les personnages qui nous font peur, qui nous rappellent aussi notre fragilité, notre mortalité, qui apparaissent dans nos cauchemars, dans nos hallucinations, dans nos fantasmes souvent. Et les artistes, si nous les aimons, c'est qu'ils lâchent leurs monstres un petit peu, peut-être un peu beaucoup, peut-être que parfois ils perdent pied dans cette énergie-là, mais ils créent quelque chose qui nous permet de nous reconnaître dans cette fragilité et cette terreur qui est propre à l'humain, la terreur d'être mortel. Et nous avons ici une très très belle sélection d'œuvres d'art, à la fois qui viennent des collections Christian Berst et qui viennent de personnes que moi j'ai choisies, que j'ai amenées à la galerie. Et il y a une interaction, une cohabitation absolument magique dans cette galerie, The Bridge, entre tous ces monstres. Je sens qu'ils sont extrêmement contents de faire connaissance.